stop. What's up tout le monde, c'est Dit, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça a plutôt bien les amis. Et écoute, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comparatif de vitesse avec la nouvelle voiture ProGen T20 disponible dans le nouveau DLC d'aujourd'hui au prix de 2 200 000 $, ce qui fait que cette voiture est placée comme la voiture la plus chère du jeu de GTA V. Et donc j'espère qu'elle aura des compétences plus qu'honorables pour satisfaire le plus grand nombre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Comme d'habitude, c'est sur la piste de l'aéroport que ça se passe, d'un passage piéton à l'autre, un chronomètre. On espère qu'il y aura des performances hors du commun pour que cette voiture place la barre vraiment très haute comparée aux autres. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, lâchez un gros like. Objectif des 50 en moins de 24 heures, je compte sur vous. Et si c'est le cas, je vous upload direct la best customization ever, avec le petit accent anglais, pour cette nouvelle voiture qui déchire tout. Et c'est pour ça que je compte sur vous. Dites-moi également en commentaire si oui ou non vous la trouvez plus rapide que la Osiris, cette nouvelle voiture. Je recueillerai éventuellement vos commentaires et on pourra faire un petit bilan de tout ça dans une prochaine vidéo. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mon aventure. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao les gamers.